Ce jeudi 31 août, pour annoncer la rentrée de TPMP, Cyril Hanouna a publié une vidéo hilarante sur sa page Instagram. Pour l'occasion, l'animateur a fait appel au service d'Emmanuel Macron. Enfin presque. Le compte à rebours est lancé avant le grand retour de Touche pas à mon poste sur les antennes de C8, pour le plus grand plaisir des aficionados de l'émission. Pour cette nouvelle saison, les fans de Cyril Hanouna et sa bande vont devoir s'accrocher puisque l'animateur star a décidé de s'entourer de nouveaux visages, parfois très surprenants, pour pimenter le programme. L'équipe de chroniqueurs a en effet connu de nombreux bouleversements, notamment à cause des départs fracassants de Mathieu Delormeau, puis de Benjamin Castaldi, qui a décidé de prendre le large. On ne me verra plus. Parce que l'émission a pris un virage qui est plutôt actualité, etc., et ce n'est pas du tout mon truc. Je ne suis pas éditorialiste politique, ni sociétal, ni rien du tout et je n'ai pas envie de donner mon avis sur des sujets parce que ce n'est pas mon métier. Donc ça m'a posé un problème cette année, mais c'est mon problème à moi, a-t-il expliqué à Europe 1. Parmi les personnalités qui feront partie de la famille TPMP, les téléspectateurs retrouveront la journaliste Pascale de la Tour du Pin, l'ex-héros de Koh-Lanta Moundir, ou encore Ségolène Royal, en charge d'une pastille explicative. Cyril Hanouna annonce la rentrée de TPMP d'une manière improbable ce jeudi 31 août. Cyril Hanouna a mis les petits plats dans les grands pour annoncer le grand retour de TPMP, en publiant une vidéo sur sa page Instagram sur laquelle apparaît Emmanuel Macron, en pleine allocution. Françaises, Français, mes chers compatriotes. La rentrée de TPMP, si est-il le 4 septembre. Vous retrouverez évidemment Raymond, l'abominable homme de Rungis, Kelly Vedovelli, Delphine Vespizère, Guillaume Janton, Géraldine Maillet, la donneuse de leçons, Valou, Valoche, la Benaïm Kwa, et Gilles Verdet, malheureusement, déclare Emmanuel Macron dans cette vidéo créée par une intelligence artificielle mais digne des plus grandes allocutions présidentielles. L'occasion pour le président d'annoncer officiellement les noms des nouvelles personnalités qui monteront à bord du navire TPMP, citant notamment les polémistes Yann Moi et Eric Nolot, Evelyne Thomas ou encore Zaya. Pour conclure cette vidéo aussi hilarante qu'improbable, Emmanuel Macron a fait un clin d'œil à Cyril Hanouna, l'homme au mollet saillant, à l'épiderme exemplaire. Vive la France, vive la République et vive la Darka, ajoute le chef de l'État plus vrai que nature. Si est-ce ce qui s'appelle sortir l'artillerie lourde.